Et bah du coup, ça a démarré. Merci Marion. Pas du tout opposé, c'est ça? On va dire que oui. Exact, oui. Super, merci beaucoup. Alors, avant de vous présenter le déroulé, quelques mots de bienvenue. Alors, tout d'abord, merci d'être présent et présente ce soir. C'est un plaisir de participer à cette première table ronde Cameroun de GESCAD, bon, à distance, mais c'est tout de même ça. Cathy, si tu souhaites dire quelques mots aussi de bienvenue, je peux te passer la parole. Je branche mon micro. Oui, bonjour à tous. Parfait. Voilà, donc je suis heureuse hein, de pouvoir, on est heureux aujourd'hui de pouvoir organiser cette rencontre avec, d'une part, les acteurs qui sont impliqués dans le cadre des partenariats avec lesquels, sur lesquels GESCOD est impliqué, mais aussi de pouvoir toucher aujourd'hui un public que GESCOD ne connaît pas très bien, c'est-à-dire les associations qui sont impliquées au Cameroun, mais que peut-être on n'a pas encore eu l'occasion de travailler avec ces associations. Et c'est vrai que ça nous paraissait important de pouvoir organiser, dans le cadre des activités de GESCOD, aussi cette mise en réseau des acteurs qui sont impliqués au Cameroun, et de manière à mieux se connaître et puis pouvoir échanger, peut-être créer des synergies entre nous. Donc aujourd'hui, on est assez content d'avoir un panel assez large de participants. On a, je crois, d'après ce que j'ai noté tout à l'heure, 8 associations qui sont inscrites et qui devraient être présentes avec nous. Certaines qu'on connaît, avec qui on travaille déjà, Caritas, l'association Canoptère, Électriciens sans frontières, et d'autres avec qui on n'a pas encore eu l'occasion de développer des liens ou qu'on a rencontrés, mais qu'on ne connaît pas encore très bien. Et donc, je pense que c'est tout l'intérêt de cette table ronde. On a également des collectivités qui sont représentées. Célestat, l'Eurométropole de Strasbourg, Sierentz, la région Grand Est, des établissements universitaires, je ne sais pas s'ils nous ont rejoints, mais ils s'étaient inscrits également, l'IUT Robert Schumann, l'IUT d'Agno, l'ENGES, et puis d'autres acteurs qui sont mobilisés, le SDEA, Liliane Andrès également, qui était impliquée en tant qu'ancienne élue d'Erstein. Donc, on est ravis hein, de toute cette diversité d'acteurs qui vont pouvoir échanger et avec qui on va pouvoir présenter ce que fait GESCOD et puis que les acteurs puissent se présenter. Voilà, je te laisse la parole, Ouais, Amélie. merci beaucoup, Cathy. Donc c'est exactement ça et l'objet de cette première table ronde Cameroun, donc c'est bien de pouvoir favoriser l'interconnaissance entre les acteurs, notamment les acteurs associatifs de la région Grand Est qui sont engagés dans des actions de coopération au Cameroun et de pouvoir échanger sur des thématiques d'action commune, des synergies potentielles et tout d'abord de pouvoir faire connaissance. Et du coup, pour pouvoir faire connaissance à distance, je vais vous proposer un petit outil très facile d'usage et très rapide. Alors, c'est un outil de post-it. Je vais vous l'envoyer de suite. Donc, l'idée, en fait, hop, vous allez voir dans le chat, vous allez voir apparaître un lien. Un deuxième lien. Il faudrait juste que vous cliquiez chacun dessus. Ah, alors, est-ce que vous avez vu les liens? Rien du tout. Ce serait dans la discussion, il y a deux liens qui sont apparus. Il y en a un, c'est un post-it sur les régions et un autre sur les thématiques. Alors, il suffit donc d'appuyer dessus et là, vous allez arriver sur un tableau de post-it. Ce que je vous propose, pour qu'on puisse un peu savoir qui est présent aujourd'hui, ça va être de remplir chacun un post-it en mettant votre nom et la structure que vous représentez, donc l'association, la collectivité, l'IUT, etc., et que vous puissiez vous positionner dans la région au Cameroun où vous intervenez.
pour ajouter un post-it, ça se trouve en bas de l'écran. Il y a un petit plus, il y a marqué « Ajouter un post-it ». Vous pouvez choisir votre couleur aussi, si vous voulez un peu plus de créativité. Et donc, il y a un outil, c'est pour les régions, et l'autre pour les thématiques. L'idée que pour afficher la conversation... Marie Zerbeau. Oui, ouais. J'ai fait une petite capture d'écran parce que j'ai l'impression que... Il m'a semblé entendre quelqu'un qui ne voyait pas les liens. Mais comme j'ai envoyé... Je ne vois pas le lien non plus. Voilà. Excusez-moi. Ouais, comme j'ai envoyé la photo dans la conversation, je ne suis pas sûre que ça a été très utile. Mais... Ok. Alors, en fait, ça se trouve dans conversation. Et conversation, vous le prenez où? Alors, c'est dans... C'est la petite bulle avec le texte qui est écrit comme dans une bande dessinée, à côté de la main. Ah, à côté de la main. Il y a trois pointillés. Ah oui, c'est afficher ça. La conversation, d'accord. Voilà. Il faut cliquer dessus. Ouais. Ok. Et après, en fait, il faudrait que vous écriviez sur le post-it. D'accord. Alors, juste pour rejoindre peut-être... Une fois que vous avez ouvert la conversation, il faut remonter un petit peu les derniers échanges qu'il y a eu. Et Amélie a partagé deux liens qui se prénomment post-it région et post-it thématique. Je vais les remettre tout de suite, comme ça vous les avez en premier. Remettez-les parce que j'ai juste conversation de la réunion. Et ensuite, la réunion est terminée et puis c'est qui saisissait un message. Voilà, je les ai remis. Il y a post-it thématique et post-it région. Ah oui. Mais post-it thématique, vous le prenez où en fait? C'est dans... Est-ce que vous êtes dans la discussion? Dans la discussion, c'est-à-dire moi j'ai conversation de la réunion. Ouais, dans la conversation, voilà, dans la conversation, il y a un lien post-it thématique et un autre post-it région. Vous le voyez? Je vais encore ouvrir la conversation, afficher la conversation. Ouais. La notification de cette conversation de la réunion sont désactivés paramètres. Cliquez ici pour en savoir plus. Non, moi je. Sinon, j'ai juste saisi le message. Hein. S'il y a un message, je peux le saisir. Tu peux continuer, Amélie. Je vais transférer les liens par mail, comme ça, ceux qui n'ont pas accès pour... Ouais, ce que j'allais dire, c'est... Ok, super. Merci. L'idée, c'est... Enfin, vous pouvez continuer à remplir ces post-it. Donc, Marie va vous les transmettre aussi par mail. Et ça pourra notamment servir lorsqu'on va faire un tour de table pour que chacun puisse présenter un peu ses activités. Ça pourra permettre, en fait, d'avoir une vision globale de qui est présent, où est-ce que vous intervenez, sur quelle thématique vous intervenez, donc d'avoir un peu un support pour nos échanges par la suite. Je vais continuer. Est-ce que, Marion, Cathy, vous pouvez me remettre le PowerPoint, s'il vous plaît? Oui. Cool, merci. Ok. Alors, continuons. Donc, pour aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est tout d'abord une rapide présentation de GSCode, de nos actions, d'une part l'animation du territoire et d'autre part les actions qui sont soutenues au Cameroun. Puis, on vous proposera en fait, que vous présentiez rapidement également les différentes actions que vos associations mènent avec le Cameroun. Et ensuite, un temps de questions et d'échanges, de partage d'expériences peut-être, de partage de témoignages aussi sur ce qui vient d'être dit. Et vous pourrez également partager vos attentes potentielles pour ces échanges, pour la poursuite de ces échanges entre acteurs. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas GSCode,
GESCODE est le réseau régional multi-acteurs de la région Grand Est. Donc, il est l'un des 12 RRMA de France. Et GESCODE a une double mission. D'une part, il a vocation à appuyer l'élaboration et la mise en œuvre des actions de coopération internationale, notamment portées par des collectivités territoriales. Et les actions qui sont menées au Cameroun vous seront par la suite présentées par mes collègues Cathy et Philippe. Et une double mission qui est l'animation du territoire, notamment par la mise en réseau et l'accompagnement de tous les acteurs de la région Grand Est qui sont impliqués dans la solidarité et la coopération internationale. Et c'est ce second volet que je vais vous présenter rapidement, dans le but que vous ayez une vision globale de ce que GESCODE peut vous apporter, sur quoi il peut vous accompagner. Et si vous avez des questions plus précises sur un point ou un autre, n'hésitez pas à l'écrire, on pourra y revenir par la suite, ou également de manière individuelle si vous avez besoin de précision sur un des aspects. Donc les accompagnements, enfin les points d'accompagnement qui sont proposés pour les associations notamment, bon également pour tout type d'acteurs. Donc GESCODE a comme mission l'identification des acteurs et la mise en réseau, notamment via l'élaboration d'un observatoire des acteurs, donc des acteurs de la région Grand Est, également l'animation des échanges et de la concertation entre les acteurs. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette table ronde Cameroun. GESCODE a vocation à animer différentes tables rondes et différents groupes pays, et c'est d'ailleurs le cas du groupe pays Burkina Faso. L'objectif est vraiment de pouvoir permettre aux acteurs, que ce soit des associations, des collectivités locales, des acteurs économiques ou des acteurs des instituts, de pouvoir échanger, partager des expériences, des connaissances, pouvoir éventuellement créer des partenariats et avoir une meilleure connaissance du pays dans lequel ils et elles interviennent. GESCODE appuie également des porteurs de projets, donc d'une part par un accompagnement individuel. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je suis en train de faire une rapide présentation de GESCODE pour mettre dans le bain ceux qui arrivent. Donc GESCODE a aussi ce rôle d'accompagner les porteurs de projets, et notamment via un partenariat avec l'agence des micro-projets pour accompagner les porteurs de projets dans le montage de projets, dans la réalisation d'un budget ou la mise en place d'activités génératrices de revenus. Et ces formations collectives, elles auront lieu à partir de 2021. Il y a également un accompagnement plus particulier dans le domaine de l'eau et l'assainissement qui s'inscrit dans le cadre d'un accord cadre avec, PSO et les associations de l'eau Rhin-Meuse. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que s'inscrit donc ma collègue Marie Zerveau qui est présente aujourd'hui, donc afin de pouvoir mieux accompagner les acteurs qui s'inscrivent dans cette thématique, qui souhaitent travailler sur cette thématique-là. J'arrive pas bien à... Ah oui, d'accord. Ok, super. Également, le dispositif... je vais également vous présenter le dispositif des fonds territorialisés. Donc, il s'agit d'un appel à projet à destination des associations qui mènent des actions ici sur le territoire de la région Grand Est et qui sont axées sur des actions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce dispositif, le prochain appel à projet aura lieu entre le 15 janvier et le 15 février de l'année prochaine. Et également, un appui à l'engagement citoyen et volontaire international, bon, qui a été un peu ralenti, mais on espère qu'il reprendra de son essor bientôt. Et enfin, GESCODE accompagne également différentes actions et programmes d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, donc là encore ici sur le territoire de la région Grand Est. Et notamment, GESCODE coordonne des festivals, enfin, des campagnes citoyennes qui sont nationales. Donc, GESCODE coordonne pour la région Grand Est, alors notamment le Festival des Solidarités qui a lieu en ce moment, et le Festival Alimentaire qui a également lieu en ce moment. Et le Festival Alimentaire porte sur les thématiques de l'alimentation et de l'agriculture, et notamment via la mise en place de visionnage de films débats
Et cette année, ils sont présentés à distance. Vous pouvez quand même y avoir accès. Et le dispositif Association Escolaire pour les OTT, qui lui est porté par GESCOD. Alors, il s'agit de la mise en place d'un binôme, d'un trinôme entre une ou deux associations et un groupe d'élèves avec son équipe pédagogique. Et l'objectif est de créer un projet pédagogique sur un ou plusieurs objectifs de développement durable et de le mener durant une année scolaire. Et donc, GESCOD va accompagner les associations et les groupes d'élèves durant tout ce processus de montage de projet et qui donne lieu à une production en fonction de ce qui a été défini entre l'association et le groupe d'élèves. Également le marché du monde solidaire, mais qui n'a pas pu avoir lieu cette année en raison des situations sanitaires et qui sera reporté à l'année prochaine. Et voilà pour l'animation territoriale. Alors, on est quatre personnes à GESCOD à travailler sur l'animation du territoire, une coordinatrice et trois chargées d'animation à Strasbourg, Chalon et Nancy. Et alors, GESCOD, donc, est le réseau régional multi-acteurs de la région Grand Est, comme je vous le disais, et qui fonctionne donc, principalement avec, en lien avec la région Grand Est et avec les fonds de la région Grand Est. Voilà pour cette présentation d'animation du territoire, et je vais laisser la parole à Cathy Caron et à Philippe pour vous présenter un peu plus le volet axé sur les projets de coopération soutenus par GESCOD, qui sont menés par des collectivités soutenues par GESCOD. Si vous avez des questions, ah, c'est bien, je vois que vous l'utilisez déjà. Super. Merci Amélie. Donc, s'il n'y a pas de questions, on enchaîne avec. L'idée, c'est d'apporter aussi un aperçu de la manière dont GESCOD est impliqué au Cameroun et les actions qui sont menées au Cameroun. Alors, je vais reprendre la main peut-être sur le PowerPoint. Amélie, je crois que c'est toi qui as la main dessus. Ah oui, prendre le contrôle, c'est bon. Merde, j'ai pas... Désolée, j'avais enlevé mon micro. Ok, super. Voilà. Donc là, vous voyez les collectivités qui sont impliquées à la fois dans le Grand Est et au Cameroun dans le cadre de partenariats de coopération décentralisée. Donc, on a 11 collectivités du Grand Est qui sont impliquées dans le cadre de partenariats au Cameroun. Ces 11 collectivités, si vous voyez un petit peu la carte du Grand Est, vous constatez qu'elles sont concentrées dans l'ancienne région Alsace. C'est un petit peu le fruit de l'histoire. L'IRCOD, Institut Régional de Coopération Décentralisée, avait historiquement des liens très forts avec le Cameroun depuis l'origine de l'IRCOD, hein, depuis les années 90. Et donc, ces partenariats se sont développés au fil du temps et aujourd'hui, on est toujours avec de nombreuses collectivités de l'ancienne région Alsace qui sont impliquées. Donc, on espère qu'à terme, les partenariats puissent s'élargir à l'ensemble de la région Grand Est, mais aujourd'hui, c'est très concentré. Donc, vous voyez ces 11 collectivités, hein, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, la communauté de communes et la ville de Sélestat, Erstein et la communauté de communes du canton d'Erstein, la ville de Colmar et Colmar Aglo, la ville de Sirens, le SDEA et le SMICTOM d'Alsace centrale. Donc, toutes ces collectivités ont des partenariats avec des collectivités au Cameroun, essentiellement centrées dans la région centre du Cameroun. Il y a Yaoundé 6, ça, Ombessa, Bafia, Akono, Kribi pour la région du centre, le littoral avec Douala, Limbé pour la région sud-ouest. Et voilà, donc c'est essentiellement ces partenariats et deux intercollectivités au niveau du département de la Lékié et du Mbaminibu aussi dans la région centre du Cameroun. Donc au total, on a 8 partenariats de territoire à territoire et tout cela est aussi soutenu par la région Grand Est qui apporte un soutien financier à l'ensemble de ces partenariats. Voilà, donc ces partenariats sont mis en œuvre grâce sur le terrain à une équipe GESCOD
qui est piloté par Philippe, hein, qui interviendra tout à l'heure, et donc qui est entouré par toute une équipe qui est répartie selon un petit peu les projets à Yaoundé, où est le siège, où se trouve le siège de GESCON, mais on a également une antenne à Douala qui est pilotée par Paulin Chouembou, que certains d'entre vous connaissent, avec également des assistants techniques qui sont plus spécialement sur des projets, notamment à Douala. Et à Limbé, on a un chef de projet, Rodrigue, qui pilote un projet qui est financé par l'Agence française de développement. Voilà, donc je ne rentre pas plus dans le détail. Hein. Après, on voulait rappeler un petit peu les grands principes de ce qui sous-tendent ces partenariats. Donc, ce sont des partenariats institutionnels entre une collectivité en France et une collectivité au Cameroun. GESCOD accompagne la mise en œuvre de ces projets grâce à son équipe qui est basée au Cameroun. On participe aussi, on accompagne aussi la mobilisation de l'expertise sur ces projets et on accompagne la recherche de financement. Ces projets sont co-construits sur la base de priorités qui sont identifiées par les collectivités du Sud. Ça fait l'objet d'échanges et de discussions entre élus et puis entre équipes pour accompagner la définition de ces projets. Ce sont en général des partenariats dans la durée, c'est-à-dire que certains datent vraiment de l'époque de la création de l'IRCOD, d'autres, et ça s'inscrit vraiment dans la durée avec une redéfinition au fil du temps des priorités, des axes de partenariat en fonction du contexte qui évolue et qui bouge. La richesse de ces partenariats, c'est aussi toute la mobilisation des acteurs sur le territoire du Nord et du Sud. C'est vraiment une grande richesse, c'est aussi les relations humaines qui permettent des échanges d'expériences à travers les missions qui sont organisées, les accueils aussi sur le territoire du Grand Est. Et voilà, c'est tout ce qui fait la richesse du partenariat qui amène à réfléchir aussi sur les enjeux de développement de ces territoires. Ce qui sous-tend aussi ces projets, c'est la mise en œuvre des objectifs de développement durable qui ont été définis par les Nations Unies en 2015 et qui fixent des objectifs pour l'horizon 2030. Et en fait, c'est des objectifs qui sont partagés au nord et au sud. Et finalement, on partage les mêmes problématiques et ça permet de réfléchir ensemble sur ces problématiques-là. Et on enrichit aussi à travers ces échanges nos réflexions sur les pratiques qu'on a ici sur le territoire du Grand Est. Donc voilà un petit peu les grands principes. Et du coup, je vais laisser la parole à Philippe qui va présenter de manière très succincte hein, un petit peu ce qu'on fait sur les territoires dans le cadre des partenariats. Et voilà, pour illustrer un petit peu ce qu'on fait. Voilà, Philippe. Alors, bonjour à tous. Merci de me passer la parole. Comme on dit par ici, je crois que j'ai pris le contrôle du PowerPoint, c'est bien. Et donc, on va passer en revue hein, les quelques partenariats sur lesquels on travaille depuis parfois très longtemps. Là, nous avons le partenariat entre la ville de Limbé et la ville de Cocolmark, hein, qui a dû commencer dans les années 2005. Bon, il y a trois thèmes identifiés. Hein, voilà, donc le développement touristique avec la création sur place à Limbé d'un office du tourisme. Nous avons également travaillé à l'élaboration d'un schéma directeur de lutte contre les inondations et les glissements de terrain à l'échelle d'un bassin versant de la ville. Et en parallèle à cela, nous travaillons également sur un service de lutte contre les incendies. Partenariat entre la ville de Hakono, qui est à une heure au sud de Yaoundé, avec la communauté de communes du canton de Erstein et la ville de Sirens. Là, nous avons deux thèmes hein, qui nous intéressent actuellement. On en a fait d'autres il y a quelques temps, mais actuellement, c'est ceux-là qui ont le vent en poupe, avec le développement touristique de la ville
qui est axé sur la valorisation du patrimoine de la grande, la grande mission de Hakono. On voit en bas à droite, hein, il y a une grande église et il y a d'autres bâtiments là, qui sont en voie de réhabilitation, avec tout un tas d'autres acteurs hein, qui jouent leur rôle dans cet aspect de valorisation du patrimoine de cette mission. Et tout ça contribuera donc au développement touristique de la ville à côté de la valorisation et également des atouts un peu naturels, quoi. Donc il y a la forêt, il y a un fleuve, il y a une rivière à valoriser. Ensuite, partenariat historique hein, entre la ville de Sa et la ville et la communauté de communes de Sé-Célesta, avec là aussi trois grands thèmes actuellement mis en œuvre, avec la gestion des déchets de la ville de Sa. Hein, donc là, nous avons travaillé avec les élus et les services de la ville à l'élaboration d'une stratégie sur 5 ans. Elle est actuellement mise en œuvre avec la première phase. Et sur le territoire de ça se trouve un institut de formation en agriculture avec lequel nous travaillons au développement de deux thématiques qu'ils aimeraient voir développer, que sont donc les thématiques de l'agroécologie et de l'apiculture. Troisième ou quatrième partenariat, celui constitué de Yaoundé 6 et Epibanjoun, avec la ville de Erstein, qui s'intéresse à la thématique des finances locales. Donc on sait bien que sans argent, on ne fait rien. Donc ce programme a pour but d'optimiser un petit peu les ressources hein, que les communes peuvent obtenir en direct sur leur territoire. Et le deuxième thème, notamment à Banjoun, hein, c'est Komasa, c'est l'amélioration de la gestion des déchets. Ensuite, nous avons un partenariat un petit peu original entre Douala et la ville et l'EMS de l'Eurométropole hein, de Strasbourg. On a vu tout à l'heure hein, que nous avons deux assistants techniques à Douala. Donc, ils interviennent aux côtés des services concernés de la communauté urbaine de Douala pour renforcer les compétences de ce personnel en termes de suivi des chantiers actuellement réalisés à Douala dans le cadre de l'assainissement pluvial et dans le cadre de l'aménagement durable d'un quartier. Ensuite, nous avons une grosse opération également entre les deux syndicats intercommunaux, hein, donc les syndicats de l'eau en charge de l'eau, les syndicats intercommunaux en charge de l'eau et de l'assainissement, en lien avec le SDEA, opération qui dure depuis les années 2005, avec au départ des financements assez importants l'Union européenne. Et que nous continuons actuellement, soutenus par des fonds essentiellement d'origine à Agence de l'eau Rameuse. Et enfin, ne pas oublier un autre volet, hein, on ne travaille pas uniquement sur des coopérations entre les collectivités, mais nous avons également tout un volet de coopération entre les universités, les deux universités alsaciennes, quoi, hein, notamment à travers un partenariat qui s'est établi de très très longue date entre les IUT, IUT alsacien, IUT du Cameroun. Et là, si tout va bien, on espère bien mettre en place une autre opération de soutien à la structuration d'un centre de formation à Kribi. Et c'est vrai que le virus nous a un petit peu joué des tours, quoi. Voilà, et je crois bien avoir fait le tour.
Et donc là, dans la slide qui suit, hein, vous avez un petit peu une idée de la diversité et du nombre des partenaires hein, qui sont d'origine Grand Est et qui sont tous impliqués d'une façon ou d'une autre, hein, soit au niveau financier, soit au niveau de la disponibilité de l'expertise, soit les deux. Donc, ils sont tous impliqués d'une façon ou d'une autre dans toutes nos opérations au Cameroun. Voilà, et ça, Catherine, c'est l'ensemble des sites internet. On va en parler après. Donc, merci Philippe. Du coup, on a un aperçu succinct de ce qu'on a fait. Après, c'est vrai qu'autour de la table ou au sein de la réunion, il y a certaines personnes qui souhaitent peut-être témoigner parce qu'elles sont des partenaires qui ont participé à la mise en œuvre de ces projets. Je pense à Liliane Andrès, à Marcel Vauquer, qui sont des élus qui ont participé activement à ces partenariats. Et du coup, si vous voulez prendre la parole pour apporter un succinct témoignage, bon, c'est vrai qu'on est un petit peu pris par le temps, mais en quelques minutes, apporter un petit peu votre témoignage à ce qui est fait au Cameroun. Bon, si je peux prendre la parole, Catherine. Oui, très bien. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour Philippe, au loin. Bonjour Liliane, voilà. Ouais, merci. Oui, écoutez, hein, c'est pas parce que je ne suis plus élue que je ne m'intéresse plus au Cameroun. Néanmoins, je reste membre de GESCODE et j'aime bien suivre vos travaux. Alors, j'ai eu la chance pour ma part d'aller deux fois en mission au Cameroun et j'ai pu rencontrer toutes les personnes qui interviennent sur place. Je dois dire que c'est une équipe, je ne veux pas dire de choc, mais qui travaille bien, voilà. Et puis, naturellement, ça prend toujours un petit peu de temps, mais les choses avancent. Et puis, c'est vraiment un pays qui en vaut la peine. Voilà. Alors, ce que je voulais dire d'autre, c'est que j'y suis allée aussi à plus d'un titre, déjà pour représenter la ville d'Erstein, pour prendre contact avec les partenaires sur place, et également au nom de Cité Unie France, parce que j'étais présidente du groupe Pays Cameroun. Donc ça m'a également permis de rencontrer tous les institutionnels, ministres, etc. Voilà. Alors, si vous avez des questions complémentaires à ce que Catherine ou Philippe pourraient vous répondre, parce que ce sont eux les vrais spécialistes, en fait. Mais bon, voilà. C'était un petit peu mon ressenti pendant toutes ces années. Et puis, je vais voir comment je peux encore contribuer. Voilà. Voilà. Très bien, merci. J'ai vu que Robin souhaitait s'exprimer du CRES, c'est ça? Non, pas du tout. Hein. Je suis très attentive, je découvre. Hein, pardon. Non. Ok, j'ai vu la petite main levée, c'est pour ça que… pas de souci. Et du coup, est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait apporter un témoignage en écho à ce qui vient d'être dit? Merci beaucoup d'ailleurs pour cet ajout. Oui, si vous permettez un petit mot, Marcel Boer, Célestin. Bien sûr, allez-y, merci. Alors, effectivement, je rejoins un peu ce qui vient d'être dit par l'ancien élu d'Erstein. Ce qui est important, c'est bien sûr le fait qu'on fasse des missions au Cameroun. Ça met à l'honneur aussi les acteurs qui sont en place, que ce soit les référents de GESCODE, et même les élus du territoire qui finalement se sentent honorés et s'investissent évidemment en fonction notamment de ce qu'on peut leur apporter. Et nous avons, moi-même, j'ai eu l'occasion d'y aller, je garde un excellent souvenir de l'inauguration d'un centre culturel à Saha, qui a pu voir le jour grâce aux techniciens que nous avons envoyés de la communauté de communes, notamment le directeur de la médiathèque, qui a pu leur apporter un peu d'ingénierie et aussi
de fonctionnement, de montrer comment fonctionne une médiathèque, une librairie, etc. Et puis la salle de fête. Alors je crois savoir, d'après Philippe, que ce centre culturel fonctionne encore. Évidemment, de temps en temps, il faut peut-être quand même les booster un petit peu et puis montrer qu'on s'intéresse à eux et qu'on continue à être leur partenaire. Voilà, donc ce sont des expériences riches, et puis comme ça a été dit tout à l'heure, il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience, mais il faut surtout montrer qu'on n'est pas absent et qu'on ne les oublie pas. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Quelqu'un d'autre souhaitait témoigner ou est-ce que vous voulez qu'on passe à un tour de table des présentations? Ok, bah je vous propose. Pardon. J'ai dit j'aimerais bien un tour de table pour découvrir. Voilà, ça va être tout de suite l'objet donc de pouvoir vous laisser la parole pour que vous puissiez, donc, sur la base des petits post-it que vous avez remplis, présenter votre association et enfin présenter les thématiques sur lesquelles vous intervenez, le territoire. Et puis, de manière succincte, vos actions. L'idée serait d'avoir 3-4 minutes par personne au maximum, histoire qu'on puisse ensuite avoir des échanges sur la base de ce que vous présentez. Et alors, si ça vous va, je vais peut-être donner la parole en fonction des personnes déjà qui ont répondu sur les post-it, sur les thématiques. Comme ça, ça donnera peut-être, ça permettra d'initier. Peut-être, est-ce que quelqu'un de Lifetime Projects aimerait exprimer, présenter ses actions? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour, je m'appelle Solène. Alors, je ne crois pas avoir déjà échangé avec vous. D'habitude, vous parlez surtout avec Laetitia, qui est la directrice de l'association. Aujourd'hui, malheureusement, elle n'a pas pu être présente, donc elle écoutera avec grand intérêt l'audio. Mais du coup, c'est moi qui viens un peu vous présenter l'association. Alors, nous, on existe depuis 2014 et on travaille depuis, je pense, 2016-2017, je pense, avec le Cameroun. Et alors, historiquement, on apportait notre soutien à des fondations ou des foyers pour enfants, notamment dans le cadre de l'éducation, de l'aide au devoir, mais aussi dans le cadre de l'art-thérapie. Et puis, petit à petit, on a pris d'autres projets qui nous tenaient à cœur en fonction de besoins qui nous ont été remontés par notre équipe qui est basée au Cameroun. Donc, 3 personnes. Et du coup, on a également créé un programme d'insertion socio-professionnelle de femmes. Et du coup, nous, on travaille à Yaoundé hein, particulièrement. Et tout récemment, donc, notamment dans ce domaine-là, on s'attaque parfois aux droits de l'enfance on s'attaque à la thématique, hein. je précise, à la thématique des droits. Heureusement. Pour moi, t'as coulé de source, mais en parlant, je me suis dit, bon, je vais quand même. On s'attaque à la thématique, du coup, des droits humains, des droits de l'enfant et des droits de la femme également. Et tout récemment, on a commencé à travailler sur un projet d'assainissement de l'eau et notamment de gestion des déchets. Mais là, on est encore vraiment dans la compréhension en fait, du besoin sur place pour voir comment est-ce qu'on peut y répondre par notre expertise ou en créant d'autres partenariats, bien sûr, avec des associations sur place. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Bah écoutez, merci beaucoup. Tu as donné la parole à quelqu'un d'autre pour présenter son association. Et puis, s'il y a des questions pour Lifetime Projects, n'hésitez pas à les écrire dans le tout chat. N'hésitez pas, je suis disponible. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'une autre association peut... Antoine Schneider, Association Enfants Espoir du Monde. Je rebondis sur l'intervention qui a eu lieu à l'instant. Nous avons la préoccupation
de statut d'enfant, puisque nous soutenons au Cameroun deux centres qui recueillent des enfants déshérités, etc. Enfin, un centre qui est lié à l'Église évangélique du Cameroun et un autre qui est à Akono, qui est celui des Sœurs de la Croix. Nous avons actuellement un problème, disons, dans un centre qui se trouve près de Douala, Antolo, c'est près de Kongsamba, pour ceux qui connaissent. Nous soutenons ce centre-là, nous avons participé à la création d'une école dans ce centre avec l'aide de la grande région. Et actuellement, bon, il s'est produit des phénomènes, des événements qui n'étaient pas prévus. Ce sont des événements liés à des conflits ethniques, semble-t-il, enfin, et qui ont fait que un certain nombre d'enfants ne sont plus dans ce centre en ce moment. Et nous interrogeons, certes, évidemment, alors apparemment ils sont retournés soit dans des familles, soit chez des bienfaiteurs, des personnes qui les connaissaient déjà, et nous interrogeons notamment sur les problèmes de statut de ces enfants. Est-ce qu'ils ont une identité? Est-ce qu'ils ont un tuteur légal, etc. Et nous n'avons pas de retour pour l'instant là-dessus. Donc évidemment, on continue à les aider et à étudier la question. Mais donc, je remercie un peu la personne qui est intervenue juste avant. Et je crois pouvoir, si vous voulez, pouvoir dire qu'éventuellement, si c'est possible, nous la contacterions pour échanger sur ce problème-là de statut des enfants. Voilà. Avec grand plaisir. Merci. Merci, voilà, c'est bon. Merci beaucoup. N'hésitez pas, vous pouvez échanger vos contacts, hein, c'est tout à fait le lieu. Quelqu'un d'autre qui souhaitait s'exprimer? Je crois avoir vu une autre main levée. Ou peut-être pas. Alors, est-ce qu'une autre association aimerait présenter ses actions? Peut-être. Je vois encore dans Action sociale, droits humains, l'association Nous sommes là, peut-être. Est-ce que nous sommes là? Et oui, là. Nous sommes là, oui, tout à fait. Donc, je me présente, Diane Collignon. Je suis aussi actuellement avec l'un des membres qui est connecté pour l'amant. Donc, nous sommes une association qui date depuis, on va dire, 2016. Peut-être 2015-2016, l'association a pour but d'aider les personnes en situation de handicap par l'insertion professionnelle au Cameroun. Parce que le problème au Cameroun, c'est que les personnes en situation de handicap sont marginalisées et personne ne s'occupe d'eux, que ce soit l'État ou d'autres structures, voilà, personne ne s'en occupe. Et ils sont laissés pour compte et ils vivent de la mendicité et puis du petit débrouillage. Donc, nous, dans l'association, ce qu'on a fait, on n'a pas pu avoir vraiment beaucoup d'aide, d'où cette table ronde est très importante pour nous parce qu'on se débrouille depuis de nous-mêmes, c'est-à-dire que ce sont les adhérents qui cotisent, qui font du vide-grenier, par le biais des vide-greniers, des petites ventes que nous avons, des gâteaux, des sucreries, des petites tables rondes aussi qu'on organise, qu'on reçoit, qu'on a des fonds pour pouvoir les aider en ce qui concerne les activités génératrices de revenus. On a eu aussi un soutien quand même du maire de l'Axo, sur l'Axo à Nancy, et du maire du Tomblaine qui nous a un peu soutenus financièrement dans un projet d'insertion professionnelle qu'on avait. Donc, on a pu quand même financer, on va dire, à peu près 30 à 40 activités génératrices de revenus pour les personnes handicapées. Et nous sommes très fiers qu'aujourd'hui, grâce aussi à nos propres fonds, on a pu faire ça. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Ils ont aujourd'hui cette activité, mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas se mouvoir, ils ne peuvent pas se déplacer pour deux fois aller réaliser les activités. Ils sont encore obligés de marcher à quatre pattes pour aller faire les activités. Donc aujourd'hui, je tends vraiment la main
pour que le GESCOT puisse nous venir en aide et voir comment faire pour travailler ensemble, parce que je suis très, très surprise, parce que je suis dans le monde associatif depuis 2010, que je suis dans le monde associatif, et je n'avais jamais entendu parler du GESCOT, et je ne savais pas autant de structures qui intervenaient au Cameroun. Je suis d'origine camerounaise, hein. Je suis vraiment née au Cameroun, née à Douala, et donc je connais très bien le Cameroun, et vivant même, j'ai vécu au Cameroun pendant 17 ans, mais je n'ai jamais eu l'information qu'il y avait des associations extérieures qui intervenaient autant. Donc je vais laisser la parole à Paul Amand aussi, qui est membre de l'association, de compléter les informations. Ok, ben, merci beaucoup. Brièvement, oui, si, quelques mots, si vous voulez compléter. Merci. Ok, merci à vous. Et moi, c'est Paul Armand, comme ma collègue vient de dire. Selon les statistiques que nous avons en notre possession, on avait trouvé que 90% de personnes handicapées manquaient effectivement des inscriptions au Cameroun. Donc, c'est ce qui nous a motivés de faire un pas pour ce genre de personnes. On avait aussi observé que parmi les gens qui étaient handicapés, leurs enfants étaient aussi sous-scolarisés. Donc, comme les parents n'arrivaient pas à avoir assez de moyens pour pouvoir envoyer les enfants à l'école, parce que l'école, bien qu'elle soit entre parenthèses dite gratuite, il y a des choses qu'il faut compléter à l'intérieur. Donc, du coup, on constatait que les enfants des personnes handicapées avaient aussi ce souci. Donc, c'est pourquoi on essaye maintenant de réorienter un peu notre aide par rapport aux enfants des personnes en situation d'handicap. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme précision. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces ajouts. On peut peut-être passer à une autre association sur une autre thématique. Du coup, peut-être Caritas Alsace, dans la thématique culture, patrimoine, art, tourisme. Donc oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Laurent. Là, je suis coordinateur de projet à Caritas Alsace, ici au siège, à Strasbourg. Et donc, bon, tout le monde connaît un peu Caritas, le Secours catholique, voilà, présent dans plus de 160 pays du monde. Donc, nous, ici, en Alsace, on est très proche, en fait, d'une congrégation de notre diocèse, qui est la Congrégation des Sœurs de la Croix, qui est basée donc à Connaux, dans la région du centre. Et donc, ça fait bien une quinzaine d'années, en fait, qu'on soutient les Sœurs de la Croix d'Connaux. Donc, au départ, avec la création de la Maison Sarah, en fait, qui est un centre d'accueil de personnes âgées dépendantes, voilà, donc qui accueille une douzaine de personnes âgées vraiment démunies qui peuvent en fait finir leur vieux jour dans ce centre d'accueil qui ressemble un peu finalement à une maison de retraite comme on peut en connaître chez nous. Et dans la période plus récente, on a essayé de prendre part au projet que Philippe a un peu évoqué tout à l'heure, qui concerne vraiment à mettre en valeur le patrimoine historique et missionnaire d'Akono, puisque donc Akono est très connu dans le centre Cameroun par son église, Notre-Dame des Sept Douleurs, église exceptionnelle. Nous, on a plutôt essayé d'aider les Sœurs de la Croix à développer donc un centre d'accueil qui s'appelle aujourd'hui le Centre Adèle. Dans ce cadre-là, on a pu mettre à disposition des volontaires. Et on a aussi aidé plus récemment donc l'équipe Caritas locale d'Akono à donc rénover en fait une ancienne menuiserie paroissiale qui est devenue donc aujourd'hui une salle polyvalente. On a aussi ces dernières années essayé de contribuer au développement du tourisme sur Akono à travers des chantiers de jeunes solidaires. Donc, bon, malheureusement, en 2020, c'est la première année où on n'a pas eu de jeunes, de groupe de jeunes pendant l'été sur place depuis 10 ans. Donc, on a pu emmener à peu près une centaine de jeunes et d'adultes depuis 10 ans dans des séjours solidaires type chantier d'été. À Akono
auprès des Sœurs de la Croix. Et donc plus récemment, on a aussi organisé deux voyages de tourisme solidaire pour adultes, pour personnes, on va dire, plutôt d'un âge retraité en France. Et donc, ça nous a permis d'emmener deux groupes d'une vingtaine de personnes à chaque fois pour des séjours qui sont là, qui étaient vraiment plutôt centrés là sur le tourisme, avec l'organisation d'un circuit, donc d'abord dans la région du centre, mais aussi ensuite dans l'ouest avec les chefferies, et finir au sud à Kribi. Donc, bon, là maintenant, on est en réflexion pour la suite et on a quelques idées de projet qu'on réfléchit pour 2021. Ok, merci beaucoup. On peut continuer notre tour de table à distance. Peut-être qu'on peut passer sur la thématique eau, assainissement, gestion des déchets, environnement. Alors, Lifetime Project s'est déjà exprimé. Peut-être Électricien sans frontières avec André Lux. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle André Lux, je fais partie d'Électriciens sans frontières, qui est une ONG nationale qui a le siège à Paris, mais nous avons des délégations régionales, dont une à Strasbourg et qui compte à l'heure actuelle 67 bénévoles. Nous avons eu la chance de travailler avec le GESCODE, l'IRCODE à l'époque. Ça commence en 2006 au Cameroun avec l'hôpital de Bafia. C'est un grand hôpital de 100 lits et nous avons là-bas réhabilité le réseau électrique. On a mis en place un groupe électrogène. Nous avons même mis en place une petite adduction d'eau à l'intérieur de l'hôpital pour alimenter la salle d'opération, l'infirmerie, quoi encore, et des bornes fontaines pour que les gens puissent boire. Alors bien sûr, c'était une opération sur plusieurs années. Après, nous avons eu une deuxième sollicitation de la commune d'Akono pour l'électrification d'un marché. Ça aussi, c'est une opération qui a été sur plusieurs années. Également, toujours à Akono, l'installation d'un éclairage public sur des hameaux où il n'y avait pas d'électricité, donc des éclairages solaires. Nous avons également fait une expertise pour le compte des Sœurs de la Croix avec Caritas. Voilà, disons, on a eu grand plaisir à travailler avec le GESCODE parce que le fait d'avoir quelqu'un sur place a été très intéressant, très enrichissant et surtout très pratique parce que ça réglait beaucoup de problèmes qu'on a du mal à régler à distance. Voilà, si vous avez des questions. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, soit à les écrire ou à demander la parole. Moi, j'ai oublié de demander, je demande la parole. concernant Électriciens sans frontières, vous intervenez que lorsque c'est uniquement une mairie du Cameroun qui vous sollicite ou comment ça se passe pour intervenir? Non, pas forcément, parce qu'on n'intervient pas qu'au Cameroun, hein, on intervient en Guinée, Madagascar, Sénégal, Togo, le Bénin, et c'est toujours en appui à des associations de préférence locale qui demandent donc de l'aide. Alors, dans la mesure du possible, si c'est faisable, on aide. Le seul problème, c'est que dans toutes ces opérations qu'on fait, c'est le suivi des installations qu'on réalise parce que là, malheureusement, souvent, c'est un peu chaotique. D'accord. En fait, je pose la question parce que j'ai déjà sollicité Électriciens sans frontières et j'ai vraiment pas eu de bonne suite par rapport à ça. Je me suis dit que c'est peut-être parce que notre association était très légère ou on était une petite structure que voilà qu'on m'a dit vous n'intervenez pas cette fois au Cameroun, etc. Mais quel était l'objet de votre demande, c'est-à-dire pour faire quoi exactement? C'était justement pour mettre de l'électricité dans un village au Cameroun, à l'ouest du Cameroun. Et donc, voilà, pour les aider par rapport à ça.
Oui, enfin, ça dépend ce qu'on appelle mettre de l'électricité, parce que bon, on ne peut pas faire un champ de panneaux photovoltaïques pour alimenter un village. En général, ça se limite à faire, par exemple, ce qu'on a fait là sur Akono, dans les deux hameaux. Nous avons mis quelques éclairages photovoltaïques et quelques stations de recharge pour les téléphones portables. Mais avec les installations que nous faisons, bien sûr, et on ne peut pas alimenter, par exemple, des frigos, des congélateurs ou l'éclairage de tout le village, etc. Ce n'est pas possible. Disons, nous ne pouvons pas nous substituer au réseau d'énergie qui sont censés exister dans le pays. Excusez-moi, je suis désolée de vous interrompre. Est-ce que Sandrine Millet, tu voulais dire quelques mots avant de partir? J'ai vu que tu avais levé la main et que tu dois nous... qu'il faut que tu partes par la suite. Ouais, je veux bien juste dire quelques mots parce que je vais vous quitter. Donc moi, je ne représente pas une association, hein, mais bien une collectivité locale, en l'occurrence la ville et l'Eurométropole. J'ai vu que Yann Dabrowski était parmi nous et Dieu sait qu'il pourrait bien mieux que moi parler de ce qu'on a fait à Douala, puisqu'il y allait très très régulièrement sur le terrain. En tout cas, c'est un projet qui se poursuit avec une implication forte de différentes directions de l'Eurométropole, hein, pour apporter une expertise technique. Je voulais juste dire deux, trois petites choses avant de vous quitter, puisque je dois partir. D'une part, c'est qu'il y a effectivement une volonté, là je vois une nouvelle ouverture en direction des associations, et moi je trouve que c'est une excellente chose, justement, qu'on puisse vraiment partager un peu mieux ce qu'on développe, chacun sur les mêmes territoires sans parfois se connaître, et que ça répond aussi à une volonté politique, là pour le coup, hein, des nouveaux élus strasbourgeois, de donner aussi une place plus importante à la société civile, aux associations, etc., y compris dans les partenariats. Donc voilà, ça c'est une chose. Et j'avais mis une remarque dans le chat sur le fonds de soutien, donc comme d'autres, hein, la région, Jessica est parmi nous. On a à Strasbourg un modeste fonds de soutien pour les projets de solidarité internationale. Et là, je vois que je pense qu'on aurait tout intérêt à, je ne sais pas sous quelle forme, quoi, comment, y réfléchir ensemble, mais à mettre en place une coordination un peu plus forte, hein, entre nos dispositifs, pour que les associations s'y retrouvent, parce que plusieurs appels à projets avec des calendriers différents, c'est peut-être pas évident. Donc voilà, peut-être qu'on pourrait essayer de voir un petit peu comment mieux coordonner nos calendriers, nos critères, nos modes de jurys, etc., sur ces questions. Enfin, je trouve que ce serait quand même un sujet intéressant à aborder. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. Et voilà, je vais juste peut-être écouter quelques réactions et ensuite je devrais vous quitter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandrine. J'ai vu qu'il y avait justement des réactions à ce que Jessica Sia. Oui, effectivement. Oui. Pour poursuivre sur ce que Sandrine vient de dire. Donc effectivement, Sandrine, Chloé a réagi également par rapport à ton intervention sur le fonds territorialisé. J'avais soumis à l'époque à Chloé l'idée de vous concerter, enfin toi particulièrement, pour le jury justement de leur fonds territorialisé. Moi, sache que je devais en faire partie, enfin sachez tous, mais pour une question de pour une question juridique, on va dire, je ne peux pas en faire partie dans la mesure où je m'occupe déjà du règlement, de l'appel à projet Solidarité internationale et éducation et développement. Comme les associations ont la possibilité et de candidater à l'appel à projet de la région Grand Est et à celui géré par GESCOD, Récital, il y avait une histoire de conflit d'intérêts. Donc moi, je ne peux pas en faire partie, mais Chloé, en tout cas sur le premier appel à projet, m'avait associée et puis j'ai pu avoir en amont les différents dossiers qui ont été présentés. Alors à voir si toi, Sandrine, au niveau de ta collectivité, ça ne poserait pas de problème. Et dans ce cas, je pense que GESCOD serait ravi de t'avoir au niveau de leur jury. Oui, là d'emblée, je ne vois pas d'inconvénient, mais je pensais même aller... Enfin, oui ça, c'est vrai que ça, je pourrais très bien participer, mais je pensais dans
ce que je disais avant, quoi, peut-être coordonner un peu mieux les calendriers, enfin, aller plus loin, tu vois, qu'une participation au jury. Mais je serais bien sûr, je pense que rien ne s'y opposerait, à vrai dire. Je ne me suis pas posé la question plus que ça, mais à voir. Ok, merci beaucoup. Je viens de voir qu'il y a Wanko de l'ENGES aussi qui avait levé la main. Oui, bonsoir à tous. Adrien Wanko, je suis enseignant-chercheur à l'ENGES, donc l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, entre GESCODE et l'ENGES, ça fait un certain nombre d'années, je ne sais pas très bien l'historique, mais d'aussi loin que je me souvienne, je sais que l'ENGES a un représentant au conseil d'administration de l'ICO depuis du GESCODE, ce qui a permis, par exemple, à l'ENGES de participer au projet GEMI, qui est signé en 2011 sur la gouvernance de l'eau dans le BAM et Inugu. Ensuite, j'ai été impliqué avec d'autres collègues sur un projet MAFADI pour maîtrise de l'assainissement et des filières d'assainissement à Doua et Yaoundé, particulièrement à Nkolbikok et à Bissiké, à Douala. Et actuellement, avec d'autres collègues et le Remotopole, je suis impliqué dans le cadre du projet Douala Ville Durable. L'idée ici, c'est de faire des propositions pour Makepe Misoke. Alors, c'est très intéressant d'avoir suivi toutes ces associations parce que l'ENGES a une politique de plus en plus volontariste. Nous poussons les jeunes ingénieurs, puisqu'on forme les ingénieurs dans le domaine de l'eau et l'assainissement, à prendre parfois des années décisives dans le cadre des missions à l'étranger, du bénévolat. Et donc, en général, ces jeunes cherchent avec des associations ou des ONG des missions de 6 mois qui peuvent être renouvelées 2 fois. Et dans le cadre de ces missions-là, ils peuvent mettre en œuvre leur expertise dans le domaine soit de l'eau et l'assainissement, soit de tout autre projet humanitaire qui leur tient à cœur. Donc, j'espère que le compte rendu de cette réunion remontera à Sandra Nicole, je ne sais pas si elle est là, qui est responsable du service des relations extérieures de l'école et qui centralise en général les demandes des jeunes ingénieurs qui veulent aller en mission. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si elle est là. Je n'ai pas l'impression. Peut-être qu'on peut encore continuer notre tour de table. Qui est-ce qui ne s'est pas encore exprimé? Ah, peut-être Canopter. Olivier Lavaux, donc toujours dans le domaine eau, assainissement, gestion des déchets, environnement. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, je me suis mis un peu à cheval sur les deux éléments parce que je suis essentiellement sur la partie agroécologie à ça, avec le GESCODE depuis quelques années. Mais c'est vrai que la partie agroécologie inclut beaucoup de choses puisque, évidemment, on est aussi sur la gestion des déchets, sur la gestion des espaces qui permet l'infiltration de l'eau pour la recharge des nappes. Enfin, voilà, on aborde aussi tous ces sujets-là, donc c'est un petit peu à cheval sur deux thématiques. Donc, Canopter intervient avec GESCODE depuis 2018. L'association a été créée en 2015. On porte aussi des projets au Togo. Donc de façon autonome l'association, donc essentiellement dans des centres de formation en agriculture ou dans des petits villages en fonction des demandes. Et je tiens justement à signaler et à remercier Philippe et l'équipe GESCON, que ce soit en France ou sur place, parce que moi je vois bien la différence entre aller dans un pays où je dois moi tout organiser, puisque c'est là au Togo depuis quelques années, et puis arriver voilà, avec une structure et un suivi possible au Cameroun, c'est vraiment très, très confortable, et on voit aussi que effectivement les projets avancent différemment que lorsqu'on est effectivement sans forcément des relais permanents sur site et où on y va une fois par an. C'est pas du tout la même chose que lorsqu'il peut y avoir un suivi, quoi. Voilà, donc merci à eux aussi pour tout ce travail-là, c'est primordial.
beaucoup. Je vois que Yann Dabrowski du SDEA souhaitait s'exprimer. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Enfin, je prends la parole. Du coup, je voulais intervenir après Adrien, là, parce que ça faisait un petit peu la continuité entre l'intervention de Sandrine pour le compte de l'Eurométropole et les projets qu'on mène sur Douala. Et puis Adrien, donc pour le compte de l'ENGES. Donc moi, donc Yann Dabrowski, donc je suis un peu aujourd'hui entre deux, puisque je suis entre l'Eurométropole et le SDEA, dans la mesure où j'ai changé de poste. Donc j'ai suivi depuis 2014 le projet de drainage pluvial de Douala. Donc sur ces trois composantes principales qui sont déjà la conduite et le suivi des travaux de réaménagement des drains pluviaux. Également l'accompagnement de la collectivité de la CUD à sa structuration, et notamment la structuration de la gouvernance d'un service d'assainissement, et puis un volet formation qu'on a conduit également avec l'ENGES. Donc tout ça s'était mis en musique par GESCOD, hein, qui a su assembler toutes les compétences pour arriver à un pack de travaux assainissement pluvial, aussi bien sur la réalisation des travaux que sur la gestion future des travaux qui sont maintenant réalisés, en termes d'entretien, et puis l'accompagnement des personnels pour une montée en compétences à travers la formation. Donc voilà, donc ça c'est un projet très enrichissant, c'est un gros projet, hein, donc 2014 jusqu'en 2020, avec évidemment un appui indéniable des personnes qui sont sur place, et notamment Philippe et puis Paulin, notamment, qui étaient là dès le début. Ensuite, il y a un deuxième projet emblématique pour nous, hein, j'allais dire. Alors là, du coup, je parle plutôt pour le compte de l'Eurométropole, même si je n'ai pas trop le droit de prendre la parole à la place de l'Eurométropole. C'est le projet drainage, Douala-Ville Durable, donc, comme l'a dit Adrien, consiste à réaménager un quartier autour d'une problématique eau relativement importante, notamment au niveau des inondations, mais également des déchets. Donc il y a des gens de l'Eurométropole sur la partie déchets qui sont également associés sur ce projet-là, donc qui est en cours de réalisation. Donc c'est un projet qui tend à réaménager un quartier pour le rendre plus résilient face à l'aléa climatique et à apporter également des solutions qui sont d'ordre économique avec du recyclage. Donc il y a plusieurs volets. Donc à la fois un volet environnemental, donc déchets, eau, et aussi un volet économique, qui est relativement important. Donc voilà pour ma part. Merci beaucoup pour ces ajouts et pour cette présentation. Je viens de voir une question d'Olivier Dazana, désolé si je prononce mal. Vous venez d'arriver sur la conversation, c'est cela, ou vous vouliez peut-être présenter vos actions ? Vous prenez la parole. J'ai oublié Olivier dans mon intervention. Pardon ? Non, j'ai dit que je n'ai pas parlé du SIG, du coup je pense que c'est Olivier qui veut parler du SIG. Ah pardon. Sur le projet drainage pluvial. Ok, c'est ça Olivier ? Est-ce qu'il y a un Olivier Dazana Atangan qui souhaite prendre la parole ou pas? Ok, et ben sinon je vais. Peut-être qu'il faut qu'il active son micro. Oh, ah oui, peut-être. En fait, c'est vrai que je ne vois pas les caméras des personnes, donc je ne sais pas si les personnes sont bien présentes ou pas. Si c'est un problème de caméra, de micro, oui, il faut pouvoir appuyer sur le petit micro pour l'activer. Il se trouve ça, normalement. Activé, hein. Ok. Est-ce que quelqu'un peut lui écrire dans le chat comment utiliser le micro ? Et pendant ce temps, on peut peut-être continuer. Le micro, il est vraiment, enfin, chez moi, dans mon écran, il est en bas, à côté de la petite caméra. Il faut pouvoir cliquer dessus pour l'activer. Voilà. Bon, sinon, est-ce que qui ne s'est pas encore exprimé, peut-être pour l'université, je vois qu'il y a Francis Brown
dans le domaine de l'éducation sport. Est-ce que vous souhaitiez vous exprimer également? Oui, bonjour à tout le monde. Effectivement, là, je ne représente pas d'association. Je suis simplement un ancien universitaire qui intervient principalement au Cameroun depuis près de 30 ans pour tout ce qui est développement des formations technologiques, aussi bien à Douala pour l'IUT de Douala que pour les autres IUT, celui de Gaoundéré ou celui de Banjoun, qui dépend de l'université de Chang. Voilà, donc c'est une coopération qui date, comme vous le voyez, depuis plusieurs dizaines d'années, avec des gros projets en particulier soutenus par la Banque mondiale qui ont permis en fait de développer ces formations universitaires et de compléter en particulier le matériel qu'il y avait dans ces universités, mais aussi de former les enseignants qui sont venus se former en France, aussi bien dans le domaine de l'enseignement à ces formations technologiques, mais aussi sur le plan recherche. Actuellement, le projet, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, le projet sur lequel nous travaillons avec l'ensemble des IUT alsaciens, c'est un projet de création de cette formation technologique au port de Kribi. Et actuellement, nous sommes à un pré-projet de construction de cette formation. Voilà. Donc, c'est en fait un travail de fond. Et ce que je voudrais dire, c'est que la coopération, et comme je le ressens depuis les plusieurs dizaines d'années que je travaille, c'est un travail de longue haleine et qui ne doit surtout pas être un travail ponctuel. C'est bien en suivant les projets, en continuant à travailler dessus, que l'on arrive à faire progresser ces projets et surtout en retournant dans le pays. Alors, on a la chance au Cameroun d'avoir des représentants sur place, mais de pouvoir assurer en fait la continuité, et j'allais dire le service après-vente de tout ce qu'on a pu faire avec les autorités locales. Voilà ce que je pouvais apporter au travail qui a été fait dans le domaine universitaire, sans compter bien sûr les autres domaines universitaires. On a entendu parler tout à l'heure de l'ENGES, et voilà, il y a pas mal d'autres structures et d'autres universités qui sont intervenues, en particulier au Cameroun. Et on n'oublie pas non plus, même si ça ne s'est pas fait avec GESCOD jusqu'à maintenant, des interactions toujours au Cameroun, mais des universités de Nancy, qui ont travaillé depuis aussi plusieurs dizaines d'années sur Gaoundéré pour le développement de l'école d'ingénieurs dans le domaine de l'agroalimentaire, donc à Gaoundéré. Merci voilà, beaucoup. Je peux dire en complément. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer sur également sur le domaine universitaire? Peut-être qu'il y a d'autres. Il y avait deux IUT qui devaient être présents. Alors, je ne sais pas s'ils sont là, Robert Schumann et Agno. Je crois que l'IUT Robert Schumann. Ouais. Oui, non, je crois que je ne les ai pas vus dans les participants. Oui, oui. Non plus, je n'ai pas vu. Ouais, je ne pense okay. pas. Donc, sont sur l'action actuelle de Kribi, tous les deux. Nous avons d'ailleurs une réunion demain sur ce sujet-là. Ok. Bien, il n'y a pas de souci. Peut-être, je vois qu'il y a aussi l'association Promesse Morpho SK Village. Alors, est-ce qu'ils sont encore là? Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de m'avoir envoyé l'invitation. Que de richesse. Moi, je voulais donc présenter la structure. Donc, nous, on a conduit un projet qui s'appelle ESECA Accès à l'eau potable pour tous, donc dans le cadre de universitaire via l'association Promesse. Et GESCOD nous a vraiment apporté une grande expertise et encore actuellement un soutien dans le cadre de la réalisation du projet. Et Morpho, c'est une association relais qui vient en soutien puisque le projet universitaire, enfin l'année universitaire prend fin, mais le projet lui continue de vivre. Donc c'est une nouvelle association qui s'est créée pour pouvoir développer d'autres projets au Cameroun. Et notamment, je vais me rapprocher de GESCOD justement pour développer d'autres projets sur l'eau et l'assainissement. Voilà. Et donc c'est un projet de forage d'un puits équipé à motricité humaine pour alimenter une école en eau potable. Voilà. Ok, merci beaucoup.
Merci. Et je vois que Jennifer souhaiterait s'exprimer. Je crois. Pardon ? Je crois que c'est elle qui vient de s'exprimer. Ah, voilà, pardon. Désolée. C'est vrai que je n'ai pas forcément toujours les noms. Ok, merci beaucoup. Et peut-être quelqu'un de Africel qui serait présent, qui aimerait s'exprimer, présenter. Non. Peut-être une personne de Bafoussam, de l'association Bafoussam. Oui, bon, j'ai entendu une voix, mais je ne sais pas. D'accord. Bon, et si, peut-être sinon de la Fondation Cœur et Action pour l'enfant de demain. C'était également une association qui s'était inscrite. Mais peut-être n'est pas présente. D'accord. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un aimerait s'exprimer, présenter également ses actions, son association, Posine ? Ou est-ce que tout le monde s'est déjà exprimé ? D'accord, j'en conclus que tout le monde s'est déjà exprimé. pour donner suite à ces échanges, maintenant qu'on a fait un tour de table et qu'on a pu voir qui était présent. Allô. Pardon, oui. Allô, allô. Bonjour. Oui. Oui. Bonsoir à tout le monde. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous entend. Allez-y. D'accord. Enfin, je parviens à être écouté. Moi, c'est Olivier Ndjana Tangana. Je suis le président de la Fondation Cœur et Action pour l'enfant de demain. Donc, déjà, je me réjouis. Ah, ça a coupé chez moi. Je ne sais pas si... Oui. Ça a coupé aussi, oui. Désolée, on ne vous entend plus. J'ai l'impression que il va y avoir un problème de connexion. Peut-être écrire dans le chat. Allez-y. Vous m'écoutez ? En fait, il y a vraiment un problème de connexion. On vous entend très peu. Je suis désolée. Peut-être que vous pouvez écrire dans le chat. Ou allez-y. Allez-y, essayez. D'accord. Oui, je disais que j'ai reçu le lien aujourd'hui et je me réjouis de participer, de faire partie de ces échanges qui sont très intéressants. Je ne savais pas que ce genre de choses, qui c'est toujours avec grand plaisir qu'on rencontre des personnes qui sont aussi engagées tant sur le plan humanitaire que du développement. Je suis basé à l'Est Cameroun, comme je disais. Je suis désolée de vous couper, en fait, la connexion. L'association a été en 2013. Ouais, je suis désolée. Alors de vous couper. Ouais, en fait, ça coupe. Du coup, là, on n'entend que des phrases coupées. Enfin, je ne sais pas si c'est que chez moi, mais... Non, on ne comprend rien. Ouais, je suis désolée. Du coup, je vais devoir vous couper parce qu'on n'entend pas, en fait... Vraiment désolée. Donc, peut-être que si vous pouvez écrire dans le chat. Et sinon, alors il nous reste encore un peu de temps là pour les échanges. Et allô. Oui, pardon. Oui. Oui, excusez-moi, Prisca Benko de l'association Africel, vous m'avez sollicité tout à l'heure. J'ai eu un problème de micro. Ah, pas de souci. voilà.
Donc, Africel, c'est une association c'est né pour mission de mettre en avant les initiatives des femmes de la diaspora africaine en Alsace et dans le Grand Est, et de créer du lien, encourager de manière générale les prises d'initiatives. Aujourd'hui, on n'a pas le pied dans la coopération, mais c'est aussi l'objet de notre présence à la rencontre de ce jour. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Ça nous a permis d'avoir un petit peu, de voir un petit peu ce qui se fait, en tout cas, sur les différents champs d'activité. Voilà, donc, le sujet pour nous en perspective, les échanges ce jour auront permis de nourrir notre réflexion dans le cadre de notre démarche. Donc, on n'hésitera pas à revenir vers GESCODE dans le cadre des projets qu'on pourra porter et peut-être faire du lien avec éventuellement ceux qui sont présents aujourd'hui. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup, merci. Justement, pour rebondir sur ce que vous dites, ce qu'on souhaitait voir là sur la fin de ces premiers échanges, c'est justement de voir si vous souhaitiez poursuivre ces échanges, peut-être les axer sur des thématiques particulières, des sujets particuliers, si vous aviez des attentes particulières également. J'espère que tout le monde s'est exprimé. Ah, peut-être Sophie Wefeld de Sirens, vous souhaitiez peut-être dire quelques mots également. Bonsoir. Moi, je suis relativement nouvelle puisque je fais partie donc de la nouvelle équipe municipale élue en mars 2020. Et donc, j'ai rencontré Philippe et Catherine au mois de septembre, donc pour la première fois. Donc, ils m'ont expliqué ce qu'était GESCODE et ce qu'était Sirens. Enfin, quel était le lien entre Akono et Sirens. Donc moi, en fait, ce que je voulais développer, c'était des ODD, donc avec les scolaires de l'école primaire de Sirens et une association locale. Malheureusement, le Covid a tout ralenti et donc l'a stoppé, en fait. Et donc, on a convenu avec le directeur de l'école primaire de se rencontrer en fin d'année scolaire 2021, donc mai-juin, pour en fait définir un projet et pouvoir commencer à le faire vivre donc dès la rentrée de septembre. Donc, c'est ce que je pense développer en plus de ce que fait Sirens actuellement. Et on m'avait également parlé d'une exposition qui était à disposition des communes. Et donc, dès que la situation sanitaire nous facilitera un peu les choses, eh bien, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place également à Sirens pour quelques temps, quelques semaines, sûrement à notre médiathèque. Voilà, donc pour le moment, on en est là. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup, enfin plusieurs nouveaux élus, nouvelles élues, et c'est un plaisir de pouvoir collaborer également avec vous à présent. Donc suite à cela, je pense que tout le monde s'est exprimé. J'espère. Sinon, n'hésitez pas à me couper. Hein. et donc, voilà, pour continuer nos échanges et peut-être un peu plus, parler de manière transversale, la question, maintenant que nous avons tous pu nous présenter, c'est vraiment de réfléchir ou de se demander si... Est-ce que vous avez des attentes particulières? Est-ce que vous souhaitez également échanger plutôt par la suite sur des thématiques particulières? L'idée étant de pouvoir continuer des échanges, mais d'une manière vraiment multi-acteurs. Donc, de la même manière que là, ça a été fait, et c'est vraiment un plaisir de voir qu'il y a des acteurs associatifs comme des collectivités, des acteurs universitaires, etc. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Ou des attentes particulières à faire émerger à ce stade-là. Euh,
Alors, j'ai vu que Antoine Schneider a demandé s'il souhaitait avoir un contact en région littorale et centre avec des compétences sociales de l'enfance. Alors, je suis pas sûre qu'on ait exactement ces contacts-là précis. Peut-être que par la suite, ça peut être vu avec Philippe. Je sais pas, Philippe, si tu souhaites répondre. Oui, ce n'est pas là. Je viens de répondre que là. C'est bon, je viens de répondre que là, en séance, c'est un peu... Bon, ça ne sera pas facile, mais évidemment, c'est le genre de demande que nous, on pourra prendre en charge et puis essayer d'y répondre au fur et à mesure que ça vient dans le cadre de notre co-connaissance. Donc, ce n'est pas sûr qu'on puisse vous répondre à 100%. Mais là, je pense à une dame qui travaillait dans les affaires sociales, qui est à la retraite. Mais je pourrais essayer de retrouver son contact, et puis elle pourrait éventuellement me donner d'autres contacts et d'autres adresses, Merci, C'est un thème qu'on ne maîtrise pas très bien, je ne vous le cache pas. Donc c'est un thème à réactiver, Merci, ça nous convient. Merci. C'est gentil. Merci. Je vois que Diane a demandé la parole. Allô. Allô, c'est Diane Collignon. Excusez-moi, je n'avais pas mis mon micro. Oui, c'est ça, c'est Diane Collignon. Je disais, par rapport à notre association qui œuvrons pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées et donc aussi pour leur autonomie, je voudrais savoir que ce soit l'autonomie en termes de vie sociale ou de déplacement. Je voudrais savoir comment le GESCOT peut nous accompagner afin que nous puissions réaliser nos projets, c'est-à-dire aider aussi les enfants de ces personnes-là à être complètement scolarisés et surtout aider les parents aussi à être autonomes. Voilà, comment on peut faire? Est-ce que vous pouvez nous accompagner dans nos projets? Est-ce qu'il y a d'autres associations qui œuvrent dans le même domaine qui peuvent nous accompagner? Parce que depuis toutes ces années, on se débrouille qu'entre nous. Alors, merci pour votre question. Alors, au niveau d'autres associations, nous, on peut faire un relais sur la thématique sur laquelle vous travaillez, peut-être voir si d'autres associations travaillent également sur cette thématique. Après, nous, on a surtout vocation donc, à mettre en réseau, éventuellement éventuellement vous accompagner pour des montages de projets, mais c'est vrai que qu'on ne va pas pouvoir mener le projet, entièrement plus, mais plus vous mettre en réseau. Alors c'est vrai que c'est pas la thématique principale sur laquelle on a des compétences, mais vous avez tout à fait raison de poser la question et en tout cas on prend note. Je ne sais pas si l'un ou l'une de mes collègues veut rajouter quelque chose là-dessus. Alors, il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main, mais qui l'a baissé maintenant. Donc, je ne sais pas si cette personne souhaite également s'exprimer. Donc, concrètement, alors, parce que peut-être vous pensez que vos collègues pourraient intervenir, donc comment concrètement cela pourrait se matérialiser par la suite pour la continuité et le suivi de cet échange pour nous aider ne serait-ce que dans le montage de notre projet ou dans le suivi ou dans la mise en place de ce projet au Cameroun. Alors, dans les attentes précises, donc là, pour ces échanges ici de table ronde Cameroun, l'idée, c'est plus de continuer donc les échanges de manière, soit transversaux, soit pluriacteurs, donc pas spécifique en fonction d'une association ou d'un projet, mais plus d'accompagner donc les échanges entre acteurs.
Mais bah, pour vous accompagner plus spécifiquement, alors, comme je présentais en fait, au départ, dans le cadre de l'animation du territoire, on va aussi proposer des formations et un accompagnement à la fois individuel et collectif. Donc là, par exemple, on pourrait vous proposer un accompagnement à ce niveau-là. À discuter par la suite. Après, c'est aussi à discuter de manière plus spécifique. Mais en tout cas, dans le cadre d'une table ronde Cameroun ou de continuité des échanges, ce serait plus de manière plus globale. D'ailleurs, je vois dans les attentes, donc il y a Olivier qui propose pouvoir faire des réunions transversales entre les actions, par exemple pour moi, agroécologie, apiculture, gestion des déchets. Ok, bah ouais, super. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques sur lesquelles certains ou certaines souhaiteraient organiser des réunions transversales? Il y a quelqu'un qui a levé la main, qui sait? Mbenkwe, non. Alors, je vois également que Marie Zerbeau parle d'un groupe thématique eau, hygiène, assainissement qui est prévu pour 2021. Oui, je rebondis, je prends la parole. Donc, Marie Zerbeau, je me présente. Moi, donc, je fais partie de GESCODE, mais je fais également partie du programme Solidarité Eau, qui est un réseau national multi-acteurs qui est chargé d'accompagner tout acteur de la France dans la thématique eau, hygiène et ou assainissement. Par ailleurs, je suis aussi, pour le compte du PSO, la référente Cameroun pour tout ce qui est question donc, d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Et donc, je réagissais à la demande d'un groupe transversal qui a été faite par Olivier. Et donc, pour 2021, GESCODE va essayer d'initier un groupe thématique eau, hygiène, assainissement. Donc, le but, un peu comme aujourd'hui, est de se réunir et d'échanger, mais pas autour d'un pays, donc bien autour d'une thématique et pour animer un peu sur des questions qui concernent tout le monde, par exemple la qualité de l'eau ou la gestion des latrines en milieu public, par exemple. Voilà, donc c'est selon les demandes, vraiment, GESCODE est là pour essayer d'accompagner au mieux les acteurs, donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins pour qu'on puisse essayer d'organiser des cadres qui correspondent à vos attentes. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite réagir à ce que vient de présenter Marie? Ah, je viens de voir que oui. Non, il y a des mains qui se lèvent puis qui se baissent. Ok, quelqu'un qui souhaite s'exprimer? Quelqu'un d'autre qui souhaite... Ouais. Mbenkwe, peut-être? Oui, Prisca Mbenkwe, donc de l'association africaine. Je voulais revenir sur les thématiques sur lesquelles on pourrait monter des groupes de travail. Je pensais peut-être à l'ingénierie sur le financement de projets, puisque ma question initiale c'était sur comment est-ce que le GESCODE accompagne justement les projets, comment se déroule l'accompagnement, mais vous avez déjà donné quelques éléments sur cet accompagnement-là suite en réponse à une question précédente. J'ai pas réussi à l'écrire dans le chat, mais je proposais peut-être un accompagnement sur la partie financement de projet. Je sais pas si c'est un sujet, puisque la question est quand même revenue de savoir... de se dire que l'accompagnement effectivement est important. Il y a différents types, il y a différents acteurs qui accompagnent des projets sur des thématiques différentes, mais peut-être comment est-ce qu'on arrive à monter un plan de financement qui intègre justement les spécificités et les modalités de chacune des structures d'accompagnement. Je sais pas. Oui, alors totalement, en fait, très bien de rebondir là-dessus et de poser galère les points de financement, oui, effectivement. Oui, alors c'est totalement le sujet, en fait, on est en train de monter justement à la fois un accompagnement collectif pour 2021 et un accompagnement individuel pour des porteurs de projets.
Et donc, les plans de financement rentrent tout à fait là-dedans. L'idée de ces formations, c'est vraiment sur tout le cycle de projet. Mais il y aura une formation spécifique, par exemple. Est-ce que vous pouvez couper vos micros quand vous ne vous exprimez pas? Je ne sais pas d'où ça vient. Ok, désolée. Oui, qu'est-ce que je disais, qu'il y aura donc justement des formations également sur le montage de plans de financement, de budget, d'activités génératrices de revenus. Donc, vous avez normalement notre contact. Je vous laisserai mon contact à la fin parce qu'on est donc plusieurs collègues de l'animation du territoire à travailler là-dessus pour chaque ancienne région. Et donc, n'hésitez pas à. Là, c'est un accompagnement qui peut être en dehors de ces échanges sur le Cameroun, mais n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Je vous laisserai mon contact. J'espère que je réponds à vos questions. N'hésitez pas à me redemander si jamais. Parfaitement, merci. Ok, super. C'est vrai que des fois, quand on ne peut pas voir les visages, on ne sait pas si, si c'est compréhensible. Alors, je vois que Paul Armand souhaite s'exprimer. Je vous laisse la parole. Tout à l'heure, il y avait un des panélistes qui parlait, qui intervenait sur les enfants défavorisés. Vu que nous sommes en train d'essayer de réorienter notre axe de recherche pour les conditions des enfants des handicapés, parce qu'on a constaté que ces enfants sortaient très vite du système scolaire. Est-ce qu'il ne serait pas possible de nous mettre ensemble par rapport aux enfants défavorisés pour permettre aussi à ces enfants qui, bien qu'ayant leurs parents, sortent rapidement du système scolaire? Pardon, ça a coupé? Non, j'ai terminé ma question. Ok, donc de se mettre ensemble, c'est-à-dire avec les autres associations qui travaillent également sur cette thématique, c'est cela? Oui, eux, ils travaillent sur les enfants défavorisés. Nous, on aimerait, à part s'occuper de l'insertion des personnes handicapées, essayer de regarder les enfants parce qu'ils sont des décisions scolaires. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de travailler ensemble pour améliorer aussi l'éducation des enfants issus des personnes handicapées? Alors, c'est vrai qu'on ne travaille pas forcément spécifiquement sur cette thématique. Après, ça peut être un axe d'un groupe d'échange, comme ça a été proposé pour d'autres groupes. Et en tout cas, moi, je vous invite à échanger aussi vos contacts entre associations qui travaillent sur ces thématiques-là pour pouvoir enrichir vos échanges là-dessus. Et je prends bonne note de cette thématique d'échange et de travail. Mais vraiment, n'hésitez pas à partager vos contacts. Antoine Schneider, souhaitez vous exprimer? Alors, est-ce que Antoine Schneider souhaite prendre la parole? Oui, Jules, excusez-moi, j'avais oublié le petit micro là. Je disais, pour répondre à l'intervention précédente, là, à l'instant, un groupe de travail, oui, mais peut-être sur des thématiques un peu plus larges, hein, que simplement les enfants handicapés. D'une manière générale, les enfants qui ont des problèmes, enfin des hérités, etc. Oui, nous aussi, nous sommes preneurs. Voilà. Enfants Espoir du Monde est preneur là-dessus. Puisque nous avons dans nos enfants aidés des enfants handicapés. Ça, voilà. Très bien, très bien. Donc, c'est Diane Collignon hein, qui reprend en disant
Merci donc pour cette main tendue-là. Voilà, comme ça, on peut travailler parce que les enfants déshérités, ça fait partie de ces enfants dont les parents sont en situation de handicap. Ce n'est pas les enfants handicapés, mais c'est les enfants dont les parents sont en situation de handicap, en savoir que la précarité des parents handicapés engendre également par la suite et bien évidemment la précarité de ces enfants-là. Effectivement, en collaborant ensemble, on va peut-être améliorer les choses. Donc, merci pour la main tendue. Et je souhaiterais bien, s'il est possible, si on peut épingler votre contact ou avoir votre contact pour travailler par la suite ensemble. Merci. Merci beaucoup. Je vous donne mon contact par message. Là. Je vais l'écrire. Hein. Super, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait s'exprimer peut-être sur deux, trois attentes ou en tout cas peut-être sur des attentes vis-à-vis de ces groupes d'échange ? Donc là, on a pu parler de certaines thématiques. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques ou d'autres sujets ? Est-ce que vous aimeriez refaire une table ronde Cameroun ? Enfin, est-ce qu'il y a des envies particulières sur ces questions-là ? Des idées qui émergent ? D'accord, écoutez. Oui, qui c'est qui s'est pardon. Allez-y. J'ai aussi suivi au cours de la présentation des groupes qui ont fait plus un peu du tourisme, je pense, au niveau du sud-ouest du Cameroun. Donc, du coup, je ne sais pas si on ne peut pas, on pourrait pas élargir ça sur au moins les autres provinces où il n'y avait pas de problème de guerre, quoi. Donc, de se concentrer sur une seule localité qui est le sud-ouest, est-ce que ce n'est pas possible d'élargir cet aspect du tourisme? J'ai pas très bien compris, je suis désolée. Je peux reprendre si vous n'avez pas bien compris. Je disais qu'au cours de la présentation, il y a certains intervenants qui ont parlé de l'exercice du tourisme au niveau de la ville de, je pense, Kribi ou bien Limbé. Donc, du coup, je demandais si est-ce qu'on ne peut pas étendre ce qu'ils font déjà dans les autres provinces qui ne sont pas en conflit. C'était des présentations de la part des projets de GESCAD. Cathy, Philippe, peut-être une réponse là-dessus. Oui, ça y est, j'ai mis mon micro. Ça c'est évidemment, on peut tout faire, mais il faut les sous pour le faire, quoi. Hein. Il faut des moyens techniques et financiers, il faut de la ressource humaine, il faut des financements, et au départ, il faut une demande. C'est-à-dire que nous, on ne vient pas au hasard et on cible un petit peu la ville X ou Y. Hein, si on est dans telle ou telle ville du Cameroun, c'est qu'au départ, il y a une demande. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est arrivé à Limbé. C'est comme ça qu'on est à Douala, ou bien à Kono, ou bien à Assa, quoi. Voilà. Donc, évidemment, hein, tout est possible. Moi, je reçois au moins... Au moins une demande une fois par mois de la part de l'une des collectivités de ce pays. Donc, si la demande me semble si elle est pertinente et argumentée, je la fais remonter à Catherine qui, elle, la traite au siège. Et puis, on regarde si dans le Grand Est, il y a une collectivité qui pourrait être intéressée par un portage d'une coopération de très long terme. Mais dans les temps actuels, ce n'est pas simple, quoi, hein. Voilà, mais c'est comme ça que ça se passe, quoi, hein. Maintenant, dans le cadre particulier du tourisme ou bien d'autres
des thématiques que nous avons abordées dans ce pays, c'est vrai qu'on essaie d'avoir des approches transversales avec un seul thème qui intéresse deux ou trois collectivités. Voilà, c'est des éléments que je peux vous apporter, quoi. Ok, merci pour ces éléments de réponse. Merci Philippe. J'ai vu que... Alors Marie Zerbeau, tu souhaitais prendre la parole? Oui, c'était un peu pour réagir, parce qu'il y a d'autres groupes pays qui ont également... ou qui vont être formés. En tout cas, il y a déjà le groupe Burkina qui est formé. Et cette problématique d'agir en contexte d'insécurité est également ressortie. Donc voilà, ça peut également peut-être... Si le besoin se fait ressentir et si on peut estimer qu'il peut y avoir des liens entre les différents pays, parce que ce n'est pas forcément les mêmes problèmes d'insécurité, mais de faire aussi des passerelles entre ces zones qui sont confrontées à certaines problématiques communes. Voilà. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir à ça. J'ai vu que tu avais aussi posé comme question si vous avez des problématiques liées au pays ou au contexte Covid. Donc, c'est vrai que ça rentre totalement dedans. Donc, réfléchir aux problématiques de contexte insécuritaire. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un a encore envie de rajouter quelque chose, de s'exprimer sur un point? Sinon, je pense qu'on va bientôt pouvoir clore ces échanges. Ok, s'il n'y a pas d'autres réactions. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont dû partir. On est désolé, c'est vrai qu'il est peut-être un peu tard. Peut-être que pour des prochains échanges, on peut réfléchir à d'autres horaires, si jamais d'autres horaires peuvent mieux vous convenir. En tout cas, on vous enverra le compte-rendu de ces échanges ainsi que les contacts. Comme ça, vous pouvez également... discuter directement aux personnes, notamment pour les thématiques de travail communes. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours aussi après ce compte-rendu. Peut-être que vous aurez d'autres idées ou envies d'échanges par la suite à ce compte-rendu ou qui vous viendront ce soir en réfléchissant à toutes ces dynamiques, toutes ces coopérations possibles. Je crois que Marie, tu souhaitais peut-être qu'on fasse une photo de fin, c'était ça? Mais on est peut-être plus assez... Oui, mais beaucoup de monde est parti, alors ouais. Ça perd un peu de son sens. Il en reste encore une vingtaine quand même. Une vingtaine? Ah, parce que j'ai pas le... Ah, j'ai plus le nombre qui s'affiche. Bah, on peut la faire quand même. Alors, si vous êtes partant, on peut activer sa caméra pour... Ah, il y en a qui quittent vite la discussion. Ceux qui ne veulent pas être en photo n'allument pas leur caméra. Et voilà. Alors, ben c'est bien. Voilà. Hein, bravo. Alors, juste laissez-moi le temps de prendre le bon modèle pour avoir tout le monde. Voilà, recoiffez-vous, c'est le bon moment. Il faut fermer la présentation, non là ? Non, c'est bon. Alors, j'ai combien de personnes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sur l'image. Tout le monde est là, alors... Philippe, tu as disparu, là. Ah. Non, j'ai Philippe, c'est bon. Voilà, encore une. À masquer en plus. Ah, c'est Roxana. Voilà. Tout le monde est là? Non, Roxana est partie. Je reviens. Moi, je vous laisse encore un peu de temps. Je vois qu'il y en a qui se rajoutent. Super. Bon, alors attention. 3, 2, 1, cheese.
Voilà, c'est fait. Je vous l'envoie. Merci. Merci beaucoup, Marie. Petite photo de fin. C'est une mise en image Teams. Hein. C'est pas... c'est pas le meilleur fond d'écran qui soit, mais voilà, ça permet d'avoir tout le monde. Ça fait un souvenir. Ah oui, voilà. Ah bon oui, soir. D'accord. Tu mets... Ah, c'est pas mal. Ah, c'est drôle. Ah oui, c'est rigolo. Ok, c'est peut-être super. Ok, ouais, bah, écoutez. Bonne soirée à tout le monde. Ouais, merci beaucoup. Hein. Merci d'avoir participé à ces échanges. Merci d'avoir participé sur les petits post-it. On vous les enverra aussi. On va faire des captures d'écran. Merci pour tous les exemples que vous avez donnés et puis pour le partage de vos expériences, de vos différentes structures, associations, collectivités. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir vous entendre. Et puis, j'espère qu'on pourra rééchanger à nouveau bientôt. Merci à Amélie pour l'animation, c'était super. Merci à vous et bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.